Hé, Georges! Hé, salut! Et tu vas aller à Baïkla avec nous? S'il te plaît, j'ai juste assez d'argent pour m'acheter un nouveau CD. Oh non, je dois aller chercher les nouveaux Twilight. Comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Bah, je suis venue chercher les nouveaux Twilight. Mais j'en ai rien à cirer de tes livres Twilight. Va chercher toi-même. J'en sais rien si j'en ai, moi. Non, c'est quoi ça? Georges, à toi. Vous savez, avant j'étais un accro des livres, j'adorais ça. Aujourd'hui je me demande pourquoi, hein. Parce que je vais vous présenter son successeur. Le iPad. Les livres, ça sert à rien. Maintenant, nous avons l'iPad. Tellement de fonctionnalités comprises dans une seule machine. C'est magnifique. Regardez, l'ordinateur, le livre, le téléphone, le baladeur, la console de jeu, le GPS, tout ça dans ce magnifique iPad. Bien sûr. Mais en fait, c'est quand même pas possible. S'il vous plaît, écoutez vos camarades. Oh, voici mon iPad. Oh, c'est quoi? Je vous ai apporté ici trois échantillons. Comment j'ai pu vous aimer? Franchement, vous êtes tellement ringard. Toi, tu es mon petit chéri, mon petit amour. Voilà, c'est tout ce que vous méritez. Mon père, il m'a gâché la vie avec cet iPad. Mon père, il vivait que pour toi. Il m'a oublié. Ah, la vie. Ah, un escargot! Non, mon père m'a tué. Si seulement j'avais un livre. Thank you.